Y a un docteur ici, s'il vous plaît? Mais s'il vous plaît, là, un médecin, s'il vous plaît, la chirurgienne, s'il vous plaît, un médecin. C'est pas tous les jours qu'on a droit d'avoir un ventriloque pour la fête du village. Allez-y, docteur. Allez-y. Alors, est-ce que vous savez ce que ma petite Corentine elle aime bien? C'est... On va essayer un petit bisou sur la... Alors, bonjour à tous. Merci infiniment de nous accueillir dans votre charmant petit village. Plutôt que dire des âneries, tu pourrais peut-être commencer ton numéro, Roméo. D'accord, d'accord, Corentine, tu as raison, une fois de plus. Alors, commençons. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous propose un petit jeu, plutôt une petite devinette. Alors, est-ce que ça vous dirait de découvrir, de percer le plus grand mystère de votre village? Oui, alors je vous vois déjà en train de vous dire... Oh, mais de toute façon, il se passe jamais rien ici, c'est un village sans histoire. Oui, c'est ce qu'on me dit toujours, hein, mais... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Corentine? Impossible, vois ce que j'en dis. Un endroit comme ça, avec toutes ces belles nanas, il s'en passe forcément des trucs. Oui, 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 une femme. Quelque chose me revient... Ah, comment s'appelait-elle déjà? Florentine. Monsieur l'agent, il y avait bien une Florentine ici, non? Pas de réponse, bonne réponse! Allez, s'il vous plaît, un petit effort, là, on se souvient. Florentine, c'était cette jeune fille, paysagiste, comme Monsieur Gérard. Lumière sur Monsieur Gérard, Monsieur Dame! Ah, ce qu'elle était belle, notre petite Florentine. N'est-ce pas, Monsieur Gérard? Vous l'adoriez, hein? Florentine, viens, viens, vite! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Est-ce que tu as vu les roses que tu as plantées il y a 2 semaines? Elles sont magnifiques! Oh oui, incroyable! Aussi belle que toi. Arrête, Gérard, tu es bête! Et que lui est-il arrivé à cette chère Florentine? Alors ça, Corentine, c'est une bonne question. Une question que tout le monde se pose ici. Bah, tout le monde sait qu'elle a quitté le village depuis plus d'un an. Elle est partie du jour au lendemain sans rien dire à personne. Ah oui, elle est partie. Et pourquoi serait-elle partie? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? On avait peut-être marre de son métier, de sa vie ici. Assez de son travail? Ben tiens, elle adorait ce qu'elle faisait. Je sens que on se rapproche petit à petit de notre grand mystère. Madame Patience, un commentaire sur le sujet? Qu'est-ce que vous insinuez là? Je comprends pas. C'est à cause de moi qu'elle est partie? C'est ça que vous dites? Pas vous, non. Mesdames et messieurs, voici maintenant venu le moment de vérité. Je suis venu ici pour vous dire que parmi vous se cache un meurtrier. Celui-là même qui a empêché Florentine de quitter cette ville. Celui-là même qui l'a abattue de sang-froid. Je vous demande de saluer votre bon docteur. On marche sur la tête, là. Je la connaissais à peine, moi, votre Florentine. Ouh, le vilain menteur! C'était sa patiente préférée. En tout cas, c'est ce qu'il lui répétait sans cesse. Tu as tout à fait raison, Corentine. C'est vrai qu'il aimait bien l'examiner, notre Florentine. Docteur Paul Chanoui, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. J'ai rien fait! Je voulais pas le tuer. Une bonne chose de faite. En effet, tu as raison, Corentine, une bonne chose de faite. Messieurs, dames, le spectacle est maintenant terminé. Je t'aime. Moi aussi.